Quand j'ai dit Kiki c'est un voleur, c'est pas parce que il s'appelle Sassou Nguesso. Mais je vais le démontrer là tout à l'heure que Kiki c'est un voleur. Kiki c'est un voleur. Raison pour laquelle, pour trouver une image, expliquer, parce que quand je vais expliquer aux jeunes de Poto-Poto les biens mal acquis, ils ne comprendront pas. Petit à côté, ils ne comprendront pas. Sans preuve, c'est aussi un délit, hein. Je vais y revenir, je vais y revenir. Jusqu'alors, depuis que j'appelle M. Angoali Mao Kiki voleur, je n'ai jamais eu une plainte. Donc, je vais y revenir. J'explique tout D'accord, simplement allez-y. pourquoi on l'appelle Angoali Mao. Angoali Oui. Mao, c'est un célèbre voleur de Kinshasa qui volait deux fois avec des pouvoirs mystiques et autres et qui était un peu l'incarnation de ce qu'on appelle, l'élite appelle le kleptocrate. Le kleptocrate. Et donc, pour parler, pour que ça sente dans les oreilles de ces jeunes-là, parce que ce sont ces mêmes jeunes-là que Christelle Sassou Angoalima, lorsqu'il arrive dans un quartier, il distribue de l'argent, ils l'applaudissent, comme on voit avec Mbende. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse avoir de la respectabilité à l'égard des gens qui ont affamé tout un peuple, qui ont détruit tout un pays, qui ont endetté tout un pays, et Christelle est parmi ceux-là? Pourquoi voulez-vous, monsieur Bilibi, que je puisse avoir de la respectabilité pour Est-ce ces que ce n'est gens-là? pas parce que vous représentez une Je victime, t'écoute, vous qualifiez monsieur vos opposants Bilibi, aussi? au moment où je vous parle, je vais être factuel, au moment où je vous parle, les hôpitaux au Congo, deux fois, il n'y a même pas de courant. Les gens font des besoins dans les seaux. Mais lorsque vous creusez, là, vous rentrez dans le statut, dans la peau d'un, on va dire, d'un intellectuel, Congolais. vous vous rendez compte que c'est le cheminement, c'est la conséquence d'une gouvernance. Et un des maillons de cette gouvernance kleptocratique qui a détruit le pays, c'est M. Christelle Sassou Nguesso. Permettez-moi, M. Ebelebe, de ne pas avoir du respect pour des voleurs. Mon éducation, mon père m'a éduqué autrement. Mon père m'a toujours dit de respecter ceux qui ont la légitimité d'être respectés. Ce jeune compatriote ne peut pas être respecté. Et j'utiliserai les mots les plus durs, non seulement pour lui faire mal, parce que lui fait mal à notre population, il fait mal à notre peuple, mais pour expliquer au plus bas peuple, ceux-là qui courent derrière les Christelle Sassou Nguesso, pour dire, l'argent qu'il vous donne, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du vol, c'est un angoalima. Un angoalima, on n'applaudit pas. On a Angoalima, on dit, on crie sur lui. Pour clore cette parenthèse, monsieur, j'ai été conseiller du président Yombi Opango pendant presque 12 ans. Et lui qui est né au village, grandi au village, qui a reçu l'éducation ancestrale, il me disait une chose importante. Il me disait, monsieur, mon fils, vous savez, dans nos villages, on ne pouvait pas applaudir un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui était honnête, qui était volé.